est organisé sur 7 allées de rack qui sont toutes classifiées par une lettre en fait. Donc on a les allées A et B où on a le boyau de mouton, les allées C, D, E et F où c'est les boyaux de porc, et les allées G où c'est les boyaux de bœuf. Donc on différencie les espèces dans le stock, ce qui nous permet de visualiser rapidement l'état du stock par espèce. Donc là sur ma commande, j'ai deux fûts à prendre sur l'emplacement C082. Donc avec le chariot, je vais directement dans l'allée C. Adresse 8, donc c'est la 8e rangée. Et niveau 2, c'est au deuxième étage. Nous avons mis en place effectivement dans le module copilote toute la partie gestion des emplacements. Ce qui nous permet aujourd'hui d'optimiser nos volumes au niveau des emplacements, à savoir une palette X qui rentre dans un emplacement X et pas dans l'emplacement Y. D'accord. Ensuite, on gère une traçabilité du coup, hein, puisqu'on sait à tout moment où telle palette est stockée ou est située dans une autre zone de l'entrepôt. Donc on a une traçabilité sans faille. Et ce qui nous permet lors des inventaires de limiter le nombre d'erreurs. Voilà. Au niveau stockage des produits, le cariste, lui, n'a pas à chercher une place dans l'entrepôt. Hein. Le PDA lui donne de suite l'adresse indiquée et il va la déposer à l'adresse. Alors, en priorité, la plus proche du picking, d'accord, pour optimiser aussi ensuite le réapprovisionnement picking. Et ensuite, à l'emplacement le plus adéquat par rapport au format de la palette. Par l'info-centre, on suit aussi les écarts d'inventaire. C'est-à-dire que quand on fait des inventaires tout long, des inventaires en réel, on analyse nos écarts, on analyse aussi les sorties de casse ou sorties manuelles, voir pourquoi il y a des écarts sur nos stocks.